Bonjour à tous et bienvenue donc dans notre nouvel épisode de... Non, c'est pas Donkey Kong, c'est pas Europa Universalis, c'est... Désolé, je suis con, mais moi j'ai mis ça au rang de marque de fabrique, quoi. La connerie. Donc, de... comment ça s'appelle ? Darkest Dungeon. Donc, Darkest Dungeon, on va aller vérifier vite fait, là. On va se monter la team, à défaut de monter la voisine. Oh là là, putain, à dire des conneries, j'ai fini en taule un jour, moi. Bref, on va aller faire ce donjon. Pourquoi ce donjon? Pour un motif tout simple, il est very rare. Un item de récompense de quête. Ah, Slay the Boss. Bon, on va se prendre une putain d'équipe de sauvages, de débiles profonds. En level, par classe. On va prendre Renault. En deuxième ligne, Verbeuf ou Onsgot. On met Ablin en dernière ligne. Et on met Destin ici. Voilà, je pense que là on a une bonne équipe qui peut mettre des putains de sacrés buffs. Ouais. Ok. Notre petit tank. Où est l'item que pour lui? Voilà. Non. Voyons. Hop. Merde. La prêtresse, on va lui mettre ça. Non. Non. Saute de l'accuracy, tout ça. On va le mettre à lui, le stun. Ok, et ça se lance d'où? Des deux premiers rangs. Donc lui, faut qu'on le mette en... Avec lui, d'où il peut agir? Il peut agir du troisième. Ok, donc... Ok, ça va être un donjon taille moyenne, avec théoriquement un boss en fin. Donc, merde, je suis en train de regarder, de penser à un truc, là, curio, je vous demande deux petites secondes, là, je suis sur le wiki, parce que le donjon, ça va être quoi? Soit une prince. J'ai regardé si on a quelque chose sur le wiki. History, behavior, abilities... Ouais, accuracy, ouais, ça touche, ça peut critter. Non. Est-ce qu'on a un arbaleste? On n'a pas d'arbalétrier. Après, c'est vrai que le Man at Arms... Ouais, bon, on va... Defender. On va essayer un truc... Ouais, quoi qu'on va essayer ce compo d'équipe, hein. On va voir ce que ça va dire. Donc, on va prendre une pelle. 8, 9, 10, 11, 12, 12 bouffes, un bandage, un antidote, 2 clés, 10, 18, on a une pelle, on prend deux pelles, et on va mettre des buffs. Les ways and rituals of blood sacrifice are difficult to master. Alors, on va voir ce que ça fait, The Swan Prince. On va aller défoncer les culs. Oh là là, ce vocabulaire! Avançons. Oh punaise. Alors là, en fait, faut tuer le prince, donc c'est pas dur, on va se taper un. Ouais, on va se faire un truc comme ça. On va aller là-bas et on va faire le tour, quoi. Allez, du stress.
Un piège, bon voyons. Le crétélisant petit, ben oui. Une petite torche. Des araignées sortent, on devrait casser assez vite. Faut juste éviter de prendre trop de dégâts. De 5 à 9. Voilà, un de moins. Je crois que ça stun. Si stun, c'est pas. Ah oui, ça aurait été bien qu'il ait pu agir avant. Oh, vous arrêtez de le taper, c'est un gentil mon mec. Oh, c'est méchant. Donc lui, il va nous faire une petite Zeus accusation, voilà, on en élimine un. Elle, mes mères, elle va me soigner lui qui a pris un petit peu de dégâts. Oh super, le soin de merde. Nouveau round. Je peux éliminer celui-là, on va éliminer celui-là de manière... Non, on va stunner celui-là. J'ai encore oublié de regarder les chances de stun. Voilà. Merde. Aïe. Oui, oui, oui. On va fracasser celui-là. Elle, on lui refait un petit soin sur bestiaux. Oh là là, les soins de merde. Hop. Voilà, on fracasse. Voilà, on a fracassé. On va se promener. Voilà, on scoute en plus. Alors ça, c'est parfait. Donc là, on a quoi? Room Battle with Treasure. Donc là, théoriquement... Attends, on a à peine commencé à se déplacer. La team a déjà pris cher. Hop. Une petite torche. On rentre. On sait qu'on a un combat. Oui, faites-moi gros cochon. Donc là, on va... Stun résist, il y a 50%, moi j'ai 135, donc il y a 85% de chance. Plutôt stunner... Ah mais on peut pas, on va plutôt stunner celui-là, voilà. En plus, on met un petit crit. Lui, il va nous graber, si on peut. On va essayer de le faire venir. Voilà, devant, comme ça, lui, je sais pas s'il peut quand même taper. Fait chier. Oh oui, faites-moi! Désolé. Dodge, très bien. Putain, il a décidé de prendre cher lui, hein, quand même. Hop. On va lui taper dessus, hein. On va aller taper sur le deuxième. Ou quoi que. On lui tape dessus normalement, on lui met des grosses patates. On va aller stunner celui-là. On va se faire chacun son tour, tac 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 tac. Elle va me faire un soin sur lui, ben voilà, c'est bien. Comme ça, prochain round, on se fait lui. Oh bien, ça dodge en plus, parfait. Ça dodge, là c'est beau quand ça se passe comme ça. Non, Zeus accusation, non, il lui reste 13 points de vie. La merde. 3 points de dégâts à faire, on va aller stunner ben, lui. Ah, on stun, on switch, hein. L'un, l'autre, l'un, l'autre. Bon, on fait un peu de dégâts. Lui, c'est pris quoi comme debuff, moins de dodge. Et on va fracasser celui-là. Voilà, très bien. Éliminé. Un petit soin de groupe, voilà. 12 points rendus, très bien. On va faire disparaître le cadavre. Blanket Fire. J'aime pas. On va mettre du debuff. Ouais, debuff quoi. On va graber. Lui, on va le stunner. On va graber le bestiau. Ah. On le met devant, on va le finir. On va lui envoyer. Ah bah quoi que. 4 à 7. Lui. Non, on va l'éliminer lui. Voilà, comme ça on est sûr qu'il soit plus là. Là, on refait un soin de... Oh, super, de merde. Hein, oui, 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 c'est un soin de merde, on peut le dire. Là, on va fracasser ce cadavre, comme ça, ça nous permettra de choper le deuxième derrière. Pour moi, pour moi. Bien, on va le stunner histoire d'être safe.
On lui fera casser la tête. Voilà, bon, le combat s'est quand même plutôt bien passé au vu de ce qu'il y avait en face. Le coffre, alors là, on s'embête pas, on met une petite clé dedans, il sort de se gaver de loot. On take all. Je vais aller ici, là-bas, il n'y a que dalle. De toute façon, on prend pas d'expérience pendant le donjon. Je vous dirais honnêtement, tant qu'à faire, hein. Autant avancer. Là, on sait qu'il n'y a rien. On va aller là-haut. Il est chiant, lui, à stresser. Là, c'est avec un bandage, je crois. Des thunes et de la bouffe. Alors là, c'est parfait. On a la pièce. On est toujours au-dessus des 75%. Oh, bien, ça, je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est bien. On les a surpris en plus. Alors, faut défoncer les deux du fond. 12... Oh, 9, beau. On lui fait entre 2 et 4 lui. On peut, voilà, on l'a éliminé, c'est parfait. Ah, on ramène le cadavre, c'est con ça. Avec elle, on va faire un petit soin de groupe. Histoire de se remettre tout le monde à la bien. Lui, il va me faire 0 accusation. Non, il va faire un petit smite, il va taper que lui. Oui, parce que je suis bête, ça sert. J'allais dire, zut, j'ai oublié de stunner. Ça sert à rien de stunner parce que de toute façon. Marqué, debuff, il se prend quoi? Moins 10 dodge. Aïe! Oh non, me tapez pas! Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Ah ouais, merde, lui, c'est vrai qu'il fait super mal. Eh, hey, mais oh! Putain, les enculés! Excusez-moi du vocabulaire. Oh, il est grave cher! 15 points de vie. Oh bien! Épique des pop avec toutou. Ensuite, merde. Ça, je crois que ça repoule l'ennemi. Ou ça stun, je sais plus. Là, avec lui, on va graber celui-là. On va le ramener au premier rang, là, pour discuter un peu avec lui. Là, un petit soin de zone. Super. Avec lui, une petite Zelos accusation. Quoique, 4-8. Non, on tuera pas, mais si on peut faire mal. Voilà. Nouveau round, si je pouvais agir avant eux. Non, on veut pas. De toute façon, je vous dirais honnêtement, on stun. J'ai pas envie forcément de faire le combat, j'ai besoin de soigner mes bestiaux avant. Ah là, on a épique découpé. Elle, un petit soin de groupe. Super, un critique à deux. Et lui, bon, on va le découper, on va le finir. Voilà. Ensuite, je me rappelle plus que c'est que ce bâtiment là, hop. Enfin, bâtiment. Le Sacrificial Stone. Sacrificial Stone. Nang, nang, nang. Du stress. Où ça purge un négatif. Tiens, tiens. Ouais, ça a 50% de chance de stresser. Donc, non, on va pas se faire ça. On va aller là. On va prendre la torche. La torche et la gemme. Très bien, on prend. On avance. Ah oui, c'est vrai que au lieu de. Ah merde. Un peu plus de stress. Ouais. Oh yo 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 yo. Il a pris cher. On va stunner lui. Oui. Putain, il a pris cher. On va. Est-ce qu'on l'élimine? Je sais plus. Non, il lui reste un point de vie. Fais chier. Voilà, du stress. On va aller que lui. Bon, 6 points de vie, c'est déjà pas mal. On va faire une Zilus accusation histoire d'éliminer le deuxième. Ensuite, il faut qu'on élimine le troisième là-bas. Voilà, on lui fait mal. Avec lui, re-Zilus accusation. Merde, on élimine toujours pas le premier. On va retenir. Ah, je suis con, j'aurais dû stunner le premier. Parce que là, ce qui se passe, c'est que lui agit, donc je vais me prendre des dégâts par le premier. Je suis un gland. J'ai mal géré là. Très mal géré. Là, un soin de zone. Ça rend tout le monde des dégâts vu que tout le monde en a pris.
Lui il est stun. On va fracasser celui-là, voilà. On le coupe en deux. Lui, on va faire lèche. Moi, j'allais dire une connerie en parlant de me lécher. Mais bon, je pense pas que vous puissiez imaginer quelle connerie j'allais dire, hein. Si vous me connaissez, donc vous devez vous imaginer, mais bref. On va... On peut pas le stunner. Bon, on va faire encore un Zilou, histoire de... On dépop les deux cadavres. Ce qui serait beau, c'est d'agir avant lui. Si j'agis avant lui... Aïe. Non, pas de stress, il y a point S. On va se soigner, on va se remettre full vie. Lui, on va faire quoi? Marquer pour la... Bon, on va le marquer. Elle, elle va me faire un soin sur le bestio. Et là, ce serait bien... Ah oui, j'ai mon mec qui agit. On va le stunner. Ça prend 4 points de dégâts. Lui, on s'en fout de sa vie. Je vais le dépoper avec ça. On va le retaper. Il est déjà stunné, mais on s'en fout. Ah, il restun. Là. Je veux pas le tuer en fait. Il est stunné, il a la résistance. On va soigner. Je sais même pas où c'en est de l'action. Je regarde même pas. Ah oui. Et là, on va le fracasser. Voilà. Mofstone, super. Alors voyons, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dégager? Déjà en premier, on va craquer une torche. Une deuxième. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Pff, on s'en fout, je m'en sers jamais de ça. Honnêtement, on va prendre les thunes. On va prendre ça, et on va avancer. Après, je vous dirai... Ah ben voilà, on va voir où est le boss. Le boss est là-bas. Là, il y a un trésor. Donc ce qu'on va faire... on va camper ici. Comme ça, ça va nous faire craquer de la bouffe. 8, non, je vais pas en utiliser 4. On gère ça. Lui, en premier lieu... Le chien, il surveille. Le soin, on est bon. Est-ce qu'il y en a un? Ça va se morter, T-Buff, elle savait. Lui. Non. On va réduire le stress. On va faire là. Il me reste 4 heures. Voilà, on réduit le stress. Et là, on se repose. Alors, est-ce que j'ai envie d'être greedy? Non, je vais pas être greedy. J'allais me faire le boss. Directement. En tout cas, le couloir, la lumière, elle descend. On rentre, et là, on se fait le boss. Alors, le boss, le Swine Prince, le prince de je sais plus quoi, il est gros. Donc, en fait, tac, tac, tac. Stratégie, don't target Wilbur first. C'est qui, Wilbur? Faut défoncer le... Ok, donc avec lui, on va marquer directement l'autre. Histoire de le max... Combien de points de vie? 132? Ah ouais! 12 points, on va le faire doter, on va le faire pleurer. C'est une beast? Watch out! Austin, d'accord. Putain. Ah ouais, il va m'épique des pop ma team, lui, c'est pas possible.
Bob le toutou, il va, bah lui on va taper dessus. Hein. Elle, elle va soigner lui. Oh putain. Ah mais un petit critique c'est bien. Est-ce que je vais survivre? Il se prend. Putain. Oh là là comme ça fait mal. 21. Ouh 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 ouh. Oui, 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 ça fait mal. J'ai marché comme un cow-boy. Est-ce que c'est un Anoli? Non, c'est une beast. Bon, faut qu'on le défonce, hein. 23, il y a 59 points de vie. Oh, putain. Oui, ça, je sais pas pourquoi, je sens que ça va faire super mal. Voilà. Avec lui, il est marqué pour combien de rounds? Un round encore. 10 à 19, j'y fais 10, sniff. Lui, on va lui faire un coup de 9 points. Il saigne à 3, il tombe à 37. Oh putain, c'est beau un dodge. Ah. On va taper dessus. Aïe, là il dit Element Solola. On envoie le Kleps. 15. On fait un petit soin de groupe. Histoire 2. Avec lui, il reste combien de points de vie? 15 points de vie. Et que je peux le défoncer avec ça? Non. On lui fait la marque. Histoire 2 pour le finir. 10. Il reste 5 points de vie. 3 points de vie, 2 points de vie. Allez, allez. Oui, oui, oui. Il va me taper. Aïe, j'ai mal. Donc là il a Death Door, donc là faut que je lui craque un petit soin ou qu'il se lèche les blessures. Oh non. Death Blow, putain il m'a tué mon mec. Il m'a tué mon mec, j'en reviens pas. Pas grave, bon bah dommage, on va le fracasser quoi, je suis blasé quoi. Il se prend un coup en Death Blow, il crève. Bon après, je vous dirai hein. Allez on le stun. Ah non, on va le défoncer lui. On va le défoncer. Ah, je suis blasé. C'est un peu dommage, mais bon. Bon, bah, pour à peine, il va prendre cher pour le reste. J'ai pas eu de bol, parce qu'en fait, il a agi avant moi. J'ai pas agi. Watcha! Il y a du loot. Plus un mauve skill. Mauve résiste, ouais. Honnêtement, je sens que je vais me faire insulter, je vais... là. Les torches, on est full. La bouffe, ça, combien ça vaut la bouffe? Ça vaut 5 gold chacun, 25 gold chacun. On va continuer un petit peu hein, après tout, merde. C'est fait défoncer mais pas trop. Là il y a un trap qu'on a détecté. On pourra l'ouvrir après, je vous dirai. Deux pièges, un curio. Non, on va se barrer. On a défoncé le boss, on va se barrer parce que là... ça a piqué. Donc 4005. Ouais. On a perdu un héros. Bon, c'est le premier qu'on perd. Hein. Ce sera pas le dernier je pense. Wilfob, ouais, ouais, Photomania, Tétanos. Oh super, Tétanos, oh c'est cool. Donc voilà, bon, on va l'envoyer vite fait nos mecs en réparation. En réparation. On va aller, bon, on va, voilà. Il s'est flagellé et tout. Ça vient, ouais. Ouais, très bien. Ok, donc maintenant, oh, Sanitarium, on va soigner. Qui n'est blessé? Ah oui, je pense que ouais, j'ai récupéré des items à cause de... Enfin, à cause... Parce qu'il est mort. Donc j'ai récupéré les items qu'il avait sur lui.
Alors ça avait quoi? Bon. 152 thunes. C'est quoi ça? Voilà, la Vestale, ça c'est très bien. Ok, on va retourner à la ville. On va envoyer au sanitarium, enfin pas au sanitarium, si pour blesser, pour soigner. Dismas, il a quoi comme maladie? Watcha, ça pique. Donc Dismas, on va l'envoyer se faire soigner, je pense. Quoique, non, on va peut-être envoyer... Ah ben non, merde. Deux soigneurs, super. On va regarder vite fait ce qu'on a dans le fourgon, là-bas. Bijour, t'as quoi dans le fourgon? Un Seeker Arbest, ben voilà, un Woundmaster. Il a quoi comme habileté? Ouais. C'est quoi? On marque la cible, ouais. Undare. Ah ouais, on fait signer tout le monde. Putain, c'est beau, ça. Ouais. Ouais, mais quand même à chier, celle-là, d'habileté. Non, c'est lui que je viens de regarder. Alors que lui, on a coué. Mark target, ouais. On va prendre lui. A lawman and his faithful beast. A bond. La guilde, est-ce que je peux... Voilà. Très bien. Et est-ce que ça, on peut augmenter la taille au niveau plus supérieur? Voilà. Et on va se prendre l'arbalète. Sort by level. On va vérifier les mecs niveau 2 qu'ils aient pu apprendre leurs habiletés. Ouais, ouais, ouais. Ablin, ouais. Dismas, Damage mode, ouais, super, on s'en fout. Ça, c'est ce que je m'en sers. Et ça, ouais, voilà. Martel, Valence, ouais. Fiton, ouais, Calmette, ouais, il est augmenté, Louvet. Ouais, si tu veux, Picotte. Lors, ouais, j'ai dû prendre. Benville, ouais, Hansgoat, ouais. Skirley. On va se prendre le Likuns. Est-ce que... On stun, ouais, ça, j'ai rien à foutre, donc 1, 2, ça, on s'en fout. Barlebeer, ouais. Battle, très bien. Queer. Et LS. Je crois que comme un con... Ah non, c'est pas ce que je pensais. Ok, maintenant on va les classer, nous disions donc par... Par contre, c'est, j'ai que dalle en soigneur, c'est chiant. On va mettre Dismas, histoire de le soigner. Voilà. Ensuite, Reno, est-ce qu'il a quoi? Ouais, ben on va vite le foutre ici. On va le dégager, parce que ça, c'est rien de plus chiant, quoi. Pour qu'est-ce qu'il est... Les... Ouais. Ensuite, on va classer par stress. Ouais, quoique, ça va. Il y a combien de stress? 32 sur 200. Bah, c'est bon, on va rester là, pas besoin de 2. Ok. Bon, Blacksmith, est-ce qu'on peut l'améliorer? Non. Il nous faut quoi? Il nous faut des parchemins, en tout cas. Ok. Bon, bah, sur ce, on va arrêter notre épisode là. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ça a été marrant, on a perdu un personnage. C'est dommage, j'ai fait 2 achievements en plus. Je vais aller les regarder vite fait, en direct live. Parce que je suis pas pas complètement ingrat, quoi, en fait. Alors. Nous avons fait 2 achievements qui sont, le premier mal à tomber, à savoir le premier long série, perd ton premier héros, ouais. Ensuite, le premier mal à tomber, élimine ton premier boss. Et le dernier achievement, ça suffira pour perdre ton premier héros face à Wilbur. C'est dégueulasse. Bref, j'ai perdu un héros face à Wilbur.
Ok, donc sur ce, ben je vais vous dire ben bye bye, à la prochaine, n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires, vous abonner à la chaîne, me suivre sur Twitter, comme ça vous serez au courant des sorties des épisodes. Et voilà, valou, allez, à plus.